Bonjour, Julien au marché Jean Talon à Montréal. Je suis ici avec Phil de Abus. Puis aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour bien sécuriser votre vélo. On est au marché Jean Talon aujourd'hui, puis je constate un vélo ici. Le propriétaire s'est acheté un cadenas, mais il ne l'utilise pas. Ça serait plus judicieux s'il était barré. Ici, on a un vélo qui a été convenablement sécurisé à l'aide d'un cadenas en U. La roue avant et le cadre ont été barrés sur le rack. Par contre, il faut noter que la roue arrière est à déclenche rapide et n'est pas sécurisée. Ce serait une question de quelques secondes de la voler. Pensez à un câble la prochaine fois. Ici, on a un cycliste qui s'est acheté un bon cadenas pour pouvoir barrer son vélo. On a fait attention d'avoir un poteau qui est bien cimenté dans le sol. Malheureusement, on n'a pas profité de l'occasion d'avoir un long cadenas pour pouvoir sécuriser les roues. Malgré tout, on a des boulons, ce qui nous amène une belle sécurité relative. Alors, c'est un bon départ. Ici, on a un cycliste qui a bien barré son vélo avec un cadenas à chaîne de qualité. Il a barré autant sa roue avant que son cadre dans un rack qui est bien solide. On aurait pu rajouter un deuxième cadenas pour la roue arrière, mais elle est sécurisée par des boulons sur le cadre. Alors ici, le vélo a été barré avec une bonne technique. On a le cadenas qui passe autant dans le rack solide, dans le cadre et la roue avant. Ceci étant dit, on aurait pu aller pour quelque chose d'un peu plus solide que ce petit cadre tressé afin d'augmenter la sécurité de notre barrage. Alors ici, on a un vélo qui a été barré avec une chaîne de quincaillerie. Malheureusement, c'est des mailles non soudées faites d'un acier de moins bonne qualité. Ça barre mal votre vélo. Qui plus est, on a barré seulement la roue avant et pas le cadre. La solution, ça aurait été d'utiliser une meilleure chaîne et de barrer le cadre sur le rack à vélo ainsi que la roue. Ici, on a le gagnant des recherches de la journée pour la pire job de cadenassage. On a une roue avant à déclenche rapide qui est la seule pièce à avoir été barrée sur le rack. Une fois la déclenche rapide défaite, le vélo entier peut être volé. Pour conclure, retenez ces quelques conseils. Ce vélo-ci a été bien barré sur un rack solide à l'aide d'un cadenas en U qui inclut aussi la roue avant. Il est à noter que la roue arrière a été sécurisée avec un câble. C'est un bon réflexe à prendre.